Paula. Parce qu'on est con. Ouais, j'ai commencé la zik précisément à 11 ans. Après avoir vu Michael Jackson à la télé, je m'entraînais à faire ses pas de danse, je chantais. J'ai commencé à rapper en 4e, en 3e, tu vois quoi. Et j'ai jamais arrêté jusqu'aujourd'hui en fait. Il m'est venu une réflexion, ou devrais-je plutôt dire une suggestion. La musique, c'est une passion, tu fais ça naturellement, tu te prends pas la tête, ça te vient à toi et tu le fais, tu vois. Tu te dis pas, tiens, j'ai envie d'être passionné par quelque chose, je vais faire de la musique. Tu vois, je veux dire, tu te réveilles un matin, bah, tu fais de la zik, tu vois, et t'arrives pas à t'arrêter, quoi. On a tous de petites voix qui parlent au fond de nous, la voix du con ou la voix de la raison, mais vu qu'on est des cons, on écoute la voix du con. Tu peux pas prévoir de faire un buzz comme Marley Gaumont, ça se prévoit pas, tu vois. Tu fais le truc, et ça part, et après tu maîtrises plus rien, quoi. C'est le destin, le mec trou. Je m'appelle Camini, je viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle Marley Gaumont. Alors t'as eu Marley Gaumont le buzz, le single il est sorti en novembre, on a fait disque de platine, après j'ai eu la victoire de la musique en mars 2007, après j'ai sorti mon album en juin 2007, on a fait disque d'or avec mon premier album Psycho Star World, après on est parti en tournée jusque janvier 2008, où on a fini donc une date à l'Élysée Montmartre à Paris. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marley Gaumont. Et ensuite, là, maintenant, je sors mon deuxième album. Donc, entre la fin de ma première activité et le deuxième album, il y a eu un an et demi. Mais pour vraiment pour bosser l'album, avoir du bon son, un son lourd, des textes aboutis, et même des clips aboutis, je dirais, quoi. Et le but, quand t'es artiste, c'est d'évoluer. Donc, sur le deuxième album, on a essayé d'avoir vraiment la patte du premier, du Camini, mais en plus puissant. Avec un cosmos décuplé. Tout le monde y rappe, les jeunes, les vieux, les non-croyants, les religieux, les mecs sympas, les mecs aux yeux, à la campagne ou dans la zone, les blacks, les blancs, les beurs, les jeunes. Tout le monde y rappe, tu sais qui est bien. L'autre jour j'ai vu rapper mon chien. Un de mes meilleurs souvenirs pendant ma période de promo, bah c'est, je crois que c'est quand même la victoire de la musique, quoi. C'est quand même la reconnaissance professionnelle par les professionnels et tu te dis, voilà, en tant que réalisateur, voilà, les gens ils ont vu mon clip, parce que moi je suis réalisateur aussi. Mon clip, voilà, les réalisateurs ils ont dit terrible. Moi je suis content. Bah, faire du cinéma, c'est vrai que c'est toujours tentant, on m'a proposé des rôles. Mais à l'époque j'ai pas accepté parce que je pense qu'il faut confirmer son image d'artiste, l'image Camini en tant qu'artiste et tout. Mes clips et tout, en tant que réalisateur, et après quand c'est confirmé tout ça, là tu peux commencer à accepter des rôles et tout. Et à l'époque, voilà, j'ai refusé parce que je trouvais que c'était un peu trop précipité. T'installes ton image d'artiste, mais après en même temps que tu fais de la musique, c'est pas bon, tu vois. Donc j'ai préféré canaliser, mais sinon le cinéma, pourquoi pas, en tant qu'acteur, et pourquoi pas aussi en tant que réalisateur. Moi ça me brancherait beaucoup, hein. Mais dans un futur proche, mais lointain. Dans un futur prochain, ça vient aux deux. Moi, il y a plusieurs courants musicaux, il y a plusieurs styles de rap, je suis d'accord. Mais quand on commence à dire rap rural, rap agricole, rap paysan, ça n'a plus aucun sens. Rap agricole, mec, on a un journal. Rap agricole, ça veut dire que quand tu mets le CD dans la chaîne ici, et ben les tomates et les fleurs, elles poussent dans les champs, c'est agricole, c'est l'agriculture, c'est n'importe quoi. Il y a un moment, c'est le rap de Camini, point barre. Et mon rap, il est différent parce que j'ai pas le vécu des autres rappeurs. On parle jamais de rap urbain, mais on parle de rap rural. Du coup les jaloux qui font du rap rural. Un jour il y a des gars qui m'ont dit nous on fait du rap dur. J'ai répondu moi je fais pas du rap mou, mais moelleux c'est plus sûr. Moi je pense que le rap d'aujourd'hui il perd un peu son authenticité. C'est-à-dire que à force de vouloir copier une culture, parce que les rappeurs en France qui font comme erreur, pas tous attention, mais l'erreur qui se fait c'est qu'ils copient une culture américaine. Or quand les femmes à poil aux States, c'est aux States, c'est dans leur culture, c'est quelque chose, ça leur est propre. Quand ils sont là avec le bling bling, ça leur est propre. Mais la culture française, c'est pas celle-là. Ça n'existe pas en France. T'as déjà vu un jeune de 18 ans qui a plein de femmes à poil dans sa piscine? Moi j'avais 18 ans, j'avais plein de potes quand j'avais 18 ans, il n'y avait personne qui avait ça. Ça n'existe pas en France, tu vois. C'est pas la vraie vie. Donc c'est ça qui est dommage dans le rap, c'est qu'il se stigmatise lui-même le rap français. Mais après, il y a quand même des rappeurs qui sortent du lot, qui ont encore des textes et tout, tu vois. Il y a les gars d'NTM, Ayam, il y a toujours ces gens-là, quoi. Il y a toujours des mecs qui sont lourds, quoi. Le monde.
Tout le monde y rappe, les jeunes les vieux. Les non-croyants, les religieux. Les mecs ça va, les mecs aux yeux. Bah, être intérieur, c'est justement ce que je viens de dire. C'est justement un album où je parle des gens, de la société, toujours avec de l'humour et un ton décalé, mais en dénonçant des choses vraies, tu vois. Pas juste faire des blagues, tu vois, même s'il y a de l'humour. Après, il y a des textes comme des chansons comme En ce moment même, où j'ai invité une chanteuse lyrique, Dominique Magloire, qui fait partie de la comédie musicale de Cléopâtre, qui est un texte où le son est dur, les textes sont durs, et donc voilà, Camille n'est pas que drôle aussi, tu vois. Et donc il y a ça. Après, il y a aussi La Bagarre, qui est un titre dont le son a été fait par Focus, un ingénieur de Dr. Dre, hein, qui fait partie de l'équipe d'Aftermaz. On a La Bagarre dessus, et j'ai aussi un featuring avec un chanteur de rail, Amine Mestari. Donc l'album il est très large, ça reste du Camini, il n'y a pas de Camini, mais avec un gros son, et divers horizons en fait, dans l'album Extraterrien. Du glamour, le glamour c'est ajouter à sa beauté extérieure, sa beauté intérieure. Waouh. Terrible. Moi, je suis entre les deux, moi. J'ai un petit côté glam et un petit côté pas glam, c'est important, un petit côté rebelle, tu vois. Extraterrien dans les vagues, deuxième album, parce que mon patron maison de disque m'a toujours dit, il faut le répéter. Quand tu es à la télé, quand tu as une interview, répète que ton album dans les vagues. Dans les vagues, deuxième album, Extraterrien dans les vagues. Merci à vous, Glam, merci du soutien en tout cas. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre nouvelle émission, nouvelle aventure pleine d'émotions que vous allez pouvoir suivre désormais tous les samedis soirs en direct sur notre chaîne, en direct de la clinique. Attention, c'est parti avec plus de 1033 caméras, 312 individus plus tarés les uns que les autres, une équipe médicale psychiatrique. Vous pourrez suivre leur évolution vers 424 sur le net, sur le club, grâce aux caméras et voter chaque semaine.